J'ai un petit peu de mal en première mi-temps, mais bon. Tout le monde sait que la force de cette équipe, c'est que voilà, on travaille tous pour notre coéquipier. Donc voilà, j'ai eu de l'aide de, voilà, des coachs et de mes coéquipiers pour me remettre dedans. Et après, voilà, sans forcer, j'ai laissé le jeu venir à moi. Mais ça, c'est dû aussi au fait que mes coéquipiers m'aient remis dedans. Donc ça, c'est la force de ce groupe. Hein. Depuis le début de saison, depuis la pré-saison, on le sait. C'est ce qui nous permet d'avancer et voilà, on le fait bien pour le moment. Bah, de toute façon, si on bat le monde, voilà, ça passe par un collectif et ça passe aussi par une volonté individuelle de chacun. Et puis voilà, je ne suis pas le seul. Si vous le soulignez, ça me fait plaisir. Bah, j'espère que je pourrai rééditer ça le plus souvent possible, en tout cas. Ça fait partie de la réussite. Hein. J'aurais très bien pu la rater aussi. On n'aura peut-être pas eu le même discours à la fin du match, mais bon, le sens que j'ai pris mes responsabilités, c'est rentré, donc voilà, c'est de bonne augure pour la suite, c'est bon pour la confiance aussi. C'est vrai que ces derniers temps j'étais un petit peu moins bien individuellement, même si le groupe avance bien, donc voilà, je me suis toujours dit qu'il fallait pas que je force parce que ça allait venir à un moment ou à un autre et il faut pas casser la dynamique du groupe, parce que voilà, l'objectif c'est de gagner chaque match, on les gagne, donc voilà, il n'y a pas besoin de bouleverser quoi que ce soit. Bah, on essaie d'en profiter au maximum en tout cas, que ce soit à l'entraînement, ou durant les matchs, ou même en déplacement, parce que voilà, c'est pas donné à toutes les équipes aussi, il y a tous les joueurs de basket dans une carrière. Donc c'est des moments qu'on veut partager, on veut en profiter au maximum. Après, c'est bien beau de s'apprécier, de passer du bon temps ensemble, mais après, il faut que les résultats suivent. Pour le moment, les résultats suivent, donc voilà, il n'y a pas à se plaindre. C'est sûrement dû au fait que voilà, on gagne des matchs et qu'on a beaucoup de confiance en ce moment. On s'est sorti de pas mal de situations bizarres, j'ai envie de dire. Donc voilà, on gagne en expérience, on gagne en confiance, et après, c'est clair que ça aide pour les fins de match, parce qu'on est plus serein. On sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on a eu des mauvaises expériences aussi. Donc voilà, on a fait quand même un bon bout de chemin ensemble. On connaît les qualités et les défauts de chacun. Donc voilà, on essaie de gérer au mieux ces fins de match. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je pense que l'arbitrage, il a été ce qu'il a été. On a su monter en pression, on a joué dur, c'est notre identité. Le Mans a essayé de jouer dur aussi, mais je pense que ce qui a fait qu'on a fait la différence, c'est qu'on on a su jouer plus propre. Quand ils ont voulu monter en défense, ils ont beaucoup mis les mains, tout ça. Nous c'est notre habitude de jouer comme ça. Voilà, après l'arbitrage, quand plus une équipe joue dur et plus l'arbitrage suit, je pense que ce soir, c'est ce qui s'est passé. Même si je dis pas que l'arbitrage, il a été d'un côté ou d'un autre. Les matchs comme la semaine des As, c'est des matchs éliminatoires directement. Faut pas penser à ce qui s'est passé dans la saison, faut arriver là-bas, c'est un nouveau match. Voilà, c'est deux nouvelles équipes qui sont là, il faut jouer à fond. Et je pense que l'équipe qui jouera le plus dur, c'est celle qui va gagner là-bas. Non, on n'est pas invincible. Maintenant, je pense qu'on connaît notre jeu, on sait là où on est fort. Je pense qu'on arrive à le reproduire plus facilement maintenant. Et je pense qu'on a aussi pris de l'intelligence dans notre jeu. On arrive à être plus patient, on arrive à amener la balle là où on veut l'amener. Après, je pense aussi que les deux matchs qu'on a perdus en début de saison nous ont beaucoup aidés. Ça nous aide mentalement à chaque fois, dès qu'on se met à mener, on essaye de forcer notre nature à rester concentré. Ce qui nous a coûté deux matchs quand même en début de saison. Je pense que maintenant, on arrive vraiment à être plus intelligent là-dessus.